Oh les amis, salut. Qu'est-ce que je fais? Je vérifie si mon briquet marche. Pourquoi? Bah, parce qu'on y retourne dans ce damné jeu. Quel jeu? Visage. Ça marche pas, hein, la pierre est morte. Bon, c'est pas grave, on y va. Visage, nous voilà. Alors on va s'offrir un petit luxe. Je vais encore vous monter le son du jeu. Parce que vous le valez bien et j'ai pas envie d'être le seul comment dire, à me faire dessus. Oui, voilà, c'est le mot. Donc on sera tous ensemble à se faire dessus dans la liesse la plus totale. Donc le principe, c'est de rester dans les zones lumineuses pour pas partir du chignon, puisque votre santé mentale peut dégringoler. Et par rapport aux événements qui se passent déjà pas très rassurants autour de vous, ben, ça peut en déclencher d'autres qui sont dans votre imaginaire. Et ce qui fait que vous commencez à vraiment faire n'importe quoi et à paniquer. Ah! Je suis où? Ok. Un briquet? Donne-moi ce briquet, espèce de... Je veux le briquet. Ça y est, ça repart. Je vais y avoir droit, je vais y avoir droit. Je vais prendre mes petites pilules. Pourvu que ce soit pas ma copine. Alors, parce que il y a quelqu'un qui me cavale un peu après. Et c'est pas super glam. Parce que à chaque fois qu'elle me chope, je vous garantis qu'elle me sèche, quoi. Alors ce que je vais faire, je vais prendre calmement, ce qui est relatif. Hein. Non, mais laisse-moi la light. Fuck. Ouais. C'est ce qu'on va faire d'ailleurs, madame, regarde. Hop. Hop. Un petit calmant. Ça va aller beaucoup mieux. Hop. Hop. Je suis sûr qu'il se passe rien. C'est juste une fille qui fait une crise d'asthme. Où qu'elle est la vilaine? Trace. Voilà conne, c'est pas pour moi. Je regrette de t'avoir appelé conne, excuse-moi. Prends-moi mon cœur ou ma mâchoire, je sais pas. Tu m'as l'air d'avoir un petit problème à la bouche, gamine. Ça va le faire. Donc il faudrait que j'aille jusqu'à je vais essayer de me rapprocher de cette porte avec du rouge dessus, ce qui est vachement rassurant d'ailleurs, et ce qui est exactement le premier endroit où on partirait se réfugier. Mais bon, je vais essayer d'y aller. Et puis on va voir si je survis plus loin. On y va de chic.
Dis-moi ça. Je sais pas ce qui se passe ici, mais c'est... Alors le jeu a pris le contrôle là. C'est... Un nounours! Je vais aller voir le nounours. Les nounours sont mes amis. D'ailleurs j'ai ma peluche pour faire ce stream. Hein. Oh miracle, j'ai réussi à sortir de la baraque. Mais en fait il n'y a pas de baraque. Ah, je suis en train de devenir dingue. Culpabilité. Bah, c'est pas moi. Nounours, Nouns. Je vais le photographier, ça me fera un souvenir. Comme ça, je tiendrai la photo contre moi quand j'aurai très peur. Il y a plein de Nouns. Vous avez raison, les Nouns. Mettez-vous en groupe. On tient mieux comme ça. Ah, du coup je suis quand même je sais pas si je suis dans la maison ou si je suis vraiment sorti ou si je suis en train de faire un gros trip. S'il y a des champignons, surtout faut pas que j'y touche. Oh le panda du harcèlement sexuel. Oui bah si tu ne regardes pas South Park, c'est que tu as pas très bon goût, je vois pas ce que tu fais sur The Big Game Husky. Alors, on a à peu près le même genre d'humour, oui effectivement. En tout cas, t'es quoi, salaud? C'est maman panda. Ah oui, c'est une grosse peluche, ça. C'est Totoro, quasiment. Soit. Alors pourquoi je fais des photos en plein jour régulièrement? Bah tout simplement parce que ça me permet de voir des... Vous êtes super mal cachés les gars, je vous le dis. Ça me permet de voir des choses qui sont pas très visibles des fois, de ce que j'ai compris. Alors comment ça, je marche à 2 à l'heure? Bah oui, je vous y verrai bien vous. En plus c'est trempé, c'est un coup à se mettre un gadin quoi. Dans les bois ça glisse. Ça glisse. Quelque chose à voir là-bas? Non. Bon. Je suis Lucie. La télé te parle. La radio te parle. De la télé, tu as un ami qui sort jouer avec toi, mais qui t'énerve un petit peu. Et... Qui garde ta cabane. Ouais. J'espère pas trop quand même. Et que... Il y a une histoire avec ton piaf. Friend did it. Je développerai bien, mais j'ai peur que ce soit un peu pessimiste, donc on va éviter. Hein? Je voudrais pas semer le pessimisme, justement. Ah, j'ai pas trouvé la clé, va falloir que je revienne ici. Je vais te mettre une fessée, tiens, toi. Ah, ça fait du bien. Y a pas de notes que je puisse ramasser. Non, bah, c'est tout ça. Ok. Si je joue avec la radio, qu'est-ce qui se passe? Y a ton ami qui va sortir? J'espère pas. Salut. Je vais toucher cette radio. Elle ne marche pas. Ce qui est quand même vachement triste. Et il y a une petite matrioshka qui est planquée dessous.
Alors il faudrait que j'arrive à bouger au moins la boîte ou bouger quelque chose, n'importe quoi. J'ai pas le temps de voir ce qui se passait. Une smoky, oui ça je sais. Alors vu qu'on est en alpha, ça se trouve c'est un sac de cul et c'est pas encore inclus dans la narration. Salut, je voudrais redescendre, juste. Non, tu ne peux pas, tu es coincé en hauteur. Alors je tourne des trucs des fois qu'il y a un code, parce que je vous rappelle qu'il y a un coffre dans la maison. Si par magie j'arrive à rentrer. Oh. Et à défaut de trouver ça, bah, j'ai trouvé une clé, ce qui est pas mal, parce qu'il y a un coffre. Juste à côté. Et ceci dit, j'ai un gros coffre dans la maison si j'arrive à y retourner. Et ce serait bien que je trouve la clé. Parce que des clés, il y a l'air d'en avoir un paquet, quoi. Alors, l'histoire se construit, hein, parce que la première fois que j'ai rencontré la gamine, elle m'a pas attaqué. Par contre, il y a une seringue qui est tombée. Quoi? Ouais. C'était obligé que la nuit tombe là, tout de suite. Ou c'était juste pour me faire plaisir. J'ai super envie de descendre. J'ai pas super envie de descendre. Je suis pas super enfermé. Tout va bien se super bien passer. Oui. 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 Je suis pas pour vous, mais moi je trouve que ça sent roussi. On m'a arraché tous les interrupteurs, c'est dégueulasse. C'est totally dégueulasse. Je veux ce briquet.
Elle en veut la petite, elle en veut. Hein. Alors, je sais pas où l'autosave va me remettre. Ça va être sûrement devant la télévision. Ce que je vais faire, je vais contourner par la gauche et essayer de passer par l'issue qui me semble la plus probable. Aller faire un petit tour. Et trouver un endroit serein, calme et détendu. Genre le parc à boules dans les trucs McDo, quoi. Comment ça, j'ai passé l'âge? Non, non, là, je flippe trop. Je suis encore tombé sur ma copine, c'est obligé. Je vais tomber sur ma copine, c'est obligé. Je le sens. La musique est très rassurante. La musique me veut du bien. Hop, 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 elle est là-bas. Je me casse là. Je suis caché! Bon, elle va me poser un problème, la petite hotte, là. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va lui faire le truc de Benny Hill. C'est-à-dire, je vais essayer de la tirer dans un coin. Si j'arrive à la matérialiser, la voir. Comment ça, je parle très tendu et très saccadé encore? Ce qui trahit une certaine tension. Pas du tout, regardez comme je suis détendu. Et donc, on va faire comme ci, on va faire comme ça. Je vais regarder mon inventaire. Je vais prendre un briquet en plus, parce qu'on n'a jamais trop de briquets sur soi. Vous comprenez bien. Et je vais pas faire mon petit tour, parce qu'elle arrive par là. Donc, je vais aller direct par là. Parce que je suis un ouf, moi. Look. Ouvre. Plus un seul inter dans la baraque. Tous les inters ont été arrachés. Mais quelle est donc la teigne qui a fait ça? Non, non, je retourne au début du jeu, moi. Je me casse. Avance, Mekai. T'inquiète pas. Hop, hop, avance. Reste dans la lumière, reste dans la lumière. Fear is the main killer. Fear is the main killer. Je l'entends qui se ramène. Hein. J'ai plus un seul inter, les aminches. Il y aura une tragédie, je le sens. Il n'y a rien qui m'aide ici. Rien, rien, interact. Je l'entends. J'ai rien contre l'asthme, mademoiselle. Non, les pilules que j'ai avec moi, c'est pas des bonbons, c'est des calmants. Foutez-moi la paix. Je me cache. Derrière des chaises. Ce qui est stratégiquement absolument judicieux. Je vais me mettre devant la Vierge Marie. Je vais prier. Comment ça, je suis pas catho? Mais c'est pas grave, ça peut peut-être marcher. Merde, la voix de la connasse! Hippie, hippie. Dégage. Dégage. Dégage! Ne me touche pas! Pas les affaires! Aïe, aïe. Oh non! Oui! On avait dit pas les affaires! Tu es pas engueulé! Et mon personnage, il s'accale tout seul. Je vous garantis que c'est pas moi qui tremble. Petite. Tu es là, petite? Si tu es là, dis-moi le pas. Non, 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 non. Dis-moi qu'elle est pas là. Non, elle est pas là. Coucou. Putain, cavale. Elle est là-bas. Elle vient droite sur moi. Et toi là. J'arrive pas à fermer les portes. J'arrive pas à fermer la porte, la putain de sa mère. Ferme ça.
quelle est cette conne? Oui, bah je me permets quand même, parce que je veux dire. Elle est pas loin, hein. Je voudrais prendre une pilule, mais je sens que le temps que je le fasse, je vais me faire écharper. Ah, ça va aller mieux. Je vais tenter par là. Si elle est dans la baignoire, je vais faire un jump. Il n'y a plus un fucking inter. Je vais m'enfermer là. Je serai bien. Je vais prendre plein de pilules, je vais me mettre dans la baignoire et je vais faire un gros dodo. Ah, ça se rallume. Cool. Ceci dit, ça se rallume. Ceci dit, ça se rallume. Je crois qu'il y a quelqu'un derrière cette porte. Et ça se rééteint. J'ose pas. Non, vraiment, j'ose pas. Alors, ferme-moi ça, je vais pas y aller. Il est juste à côté, je vais faire un jump de sa mère. Elle te voit pas, elle te voit pas, elle te voit pas! Cours! Oh non, pas déjà! Tadadadam! Tadadadam! Cours! Cours! Non, cul-de-sac! Ouvre! Bon, je vais là, je vais là, je vais là, je vais là. Oh putain, je peux pas me planquer. C'est pas très malin de se mettre dans un cul-de-sac. Surtout quand on a une espèce de taré qui vous part aux fesses. Et qu'il n'y a plus un interrupteur dans cette baraque, bordel! Elle est juste derrière. Faut que j'aille jusqu'à cette porte. Ça va être le calvaire de tous les instants. C'est une bonne idée de passer ici. Où qu'il est? Où qu'il est? Où qu'il est le bébé? Je sais plus où je suis. Cours, 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 Forest, cours, ouvre la porte. J'arrive pas à ouvrir la porte!
juste conne, je la vois pas. C'est bon, y'a rien. Y'a rien. La base. Donc du coup, heureusement qu'elle fait un peu d'asthme, parce que je l'entends venir. Mais mieux vaut pas que je la rencontre. Ceci dit, elle est pas très loin. Si je ne m'abuse pas. Ouais, regardez-les, ils sont en train de l'éviter. Bah oui, c'est le futur, ça. Le futur, c'est maintenant. Il n'y a même pas un petit bout d'interrupteur, là. Si, celui-là, regarde, il va marcher. Schnitzel, c'est chiant au pad. Alors, j'ai le choix entre... Oui, quand on veut changer les trucs dans son inventaire, il faut enlever ce qu'on a dans les mains. Et c'est vraiment le bordel, parce qu'il faut qu'il fasse lumière un petit peu, quoi. Et du coup, j'ai pas les retours à fond, donc je l'entends pas trop venir, la pépette. Pourquoi je prends cet air penaud ? Quel air penaud ? Hop. Je l'entends, je l'entends. Je l'entends. I hear you, bitch. Prends ce bulbe. Et le flash qui met du temps à se déclencher aussi, c'est un calvaire. Personne là. Ça va bien se passer, les amages. N'ayez pas peur, vous êtes avec Monsieur K. Elle est pas loin, la pépette, hein. On n'a pas fini de se courir après, moi je te le dis. Où qu'il est le bébé? Où qu'il est le bébé? Il est où, il est où? Oui, j'emmène pas sur... Pas ma mâchoire, je vais vachement arriver. Oh, allez, après. Ah, c'est un merlan, hein, hein. Et c'est ton nom, hein. Où qu'elle est? Je l'entends, mais je sais pas où elle est. J'ai pas une autre issue pour me barrer, moi. Ça, c'est un cul-de-sac. Ça, c'est fermé. Et j'ai pas de clé, de toute façon. Voilà, connasse. Cours, cours, Forest. Cours, cours, cours. Putain, tu peux pas aller plus vite? Non mais sérieux, assure. Moi, je serais déjà de l'autre côté de la baraque, hein, je te le dis tout de suite, mon gars. Elle me suit, elle me suit. Je le sens. Bon, les placards, je vais éviter. Où qu'elle est? En plus, il y a des fois des glitches. Pépette, joue pas avec moi. Il y a la porte qui s'est fermée là-bas. C'est pas supra bon signe. Il y a moyen que je me fasse de... Je sais pas du tout où je vais. Cours. Clac. Ça c'est check. S'occuper. Pas la porte, hein. Tu sais pas ouvrir les portes, ça serait la bonne nouvelle. Non, je crois pas qu'elle sache ouvrir les portes. Elle sait les fermer, par contre, la coquine. Hein. J'attends que ça se barre.
Elle est là. Elle est dans le carplat. Regarde-moi ce vilain glitch. Je vais l'éblouir jusqu'à ce qu'elle disparaisse. Non mais moi je bouge pas les gars. Qu'est-ce que vous croyez? Mon briquet va s'éteindre, ça va être juste glamour. Donc si elle est là, elle est pas de l'autre côté. Je peux me tirer. Cours, Forest, cours. Les placards, c'est pas mes potes apparemment. Je sais pas du tout où aller me cacher. Et là, qui voilà, la ville d'une petite fille. Il y a des super bruits là, j'aime pas. Où quelle est la vilaine? Ah, je peux même pas ramasser ça. C'est... Trace, gros, trace. Ne te laisse pas influencer. La peur tue l'esprit. Oui, enfin bon, il n'y a pas que la peur qui tue l'esprit. Elle passe à travers les murs, elle passe à travers le sol. Petite garce. Bon, je crois que je l'ai semé, la musique s'est calmée. Est-ce que je peux y aller? Alors, l'histoire de passer à travers les étages comme ça, c'est pas très cool. Comme si j'avais pas déjà assez d'ennui. Un placard là-bas, j'y vais pas. Du coup, j'ai plus rien. Oh purée, le briquet vient de se... Ça va mal se terminer. Cache-cache avec la petite hein. Et pas là. Slatch. Ah mais j'ai plus un seul inter. Allume. Faudrait que je prenne un médoc. Mais pour prendre un médoc, faut que je lâche quelque chose. Et c'est hors de question que je lâche quoi que ce soit. On lâche rien. On ne lâche rien. Je vais là-bas. Y a aucun problème. J'ai que des solutions aujourd'hui. Je sais pas pourquoi j'ai pas envie de me retourner. Mais alors du tout. Regardez. Retourner? Non. Ferme-moi ça. Oh la vilaine. Bon, on va faire alto sketch là. Fini les conneries, t'es où? Je ferme les placards maintenant. Ouais non mais c'est important, elle m'a fait le coup de sortir d'un placard. J'ai super pas aimé quoi. Alors, je peux aller dans la salle de bain peut-être. Si elle n'y est pas.
qui c'est? C'est Tata Zézette. Si mon briquet s'éteint maintenant, franchement. C'est vraiment le moment d'examiner un flacon de parfum. De shampoing. Je veux pas savoir ce que c'est, ne m'énervez pas. Non, je ne trompe pas, c'est un bug du jeu. Non. Oublie. Tu aurais pas une clé magique, une incantation écrit quelque part. Verata, Clata, et puis je sais plus après. Comment ça on reconnaît ce petit timbre tendu dans la voix? Pas du tout, mais regardez comme je suis détendu, regardez ça. Je peux faire de. Je m'en étouffe, dis donc. C'est pas ce gobelet qui va me sauver, je pense. Bon, on va essayer un truc. Mais je... Comment ça, c'est closed? C'est verrouilleud? Pourquoi la lumière s'allumeud? Pourquoi la porte is blocked? Il y a de la fumée! Il y a de la fumée! Je vois de la fumée! Si elle est juste derrière, je vais te vénère. Coucou! Qui est là? Ambassadrice Savon, c'est toi? On n'y voit qu'un! Je sais pas du tout où elle est, Stockholm. Je fonce. J'ai bon espoir que tout se passe bien. Et qu'elle ne vienne surtout pas là. Je chuchote, je sais pas. Vous le sauriez à ma place. Je vais à droite. Je sais pas pourquoi, mais j'y vais. Putain d'appareil de merde. Qui déclenche quand il veut. Trop de tension les amis, trop de tension, moi je vous dis. La bricotto is near empty, alors ce que je vais faire, je vais me réfugier ici, je vais fermer cette porte, calmement. Faire une petite photo, souvenir, hein. Je vais jeter ce briquet qui est mort. Et je vais en prendre un œuf. Non. Tu comprends quelle moitié toi? Alors, j'ai une explication pour les contrôles qui sont un peu pénibles avec cet inventaire qui est quand même pas des plus pratiques. C'est que le jeu est également prévu pour la VR. Et je pense que les développeurs à ce stade-là essayent de faire un jeu qui est utilisable un petit peu dans tous les modes. Donc, ça veut dire VR plus pad plus clavier souris. Et du coup, il est vraiment empty, fais voir. Ah ouais, putain, c'est vrai ça. Drop. Non, putain, t'es con à manger du foin, toi. Hop, celui-là, il doit marcher. Hop, snip. Oh, la vie est belle. Et donc, je disais, les développeurs doivent être en train de... C'est pas le moment de regarder ça. De justement chercher un moyen d'avoir une interface unifiée qui joli. Qui permettent tant aux gens qui font de la VR que aux gens qui font du clavier souris que aux gens qui jouent à la manette de s'y retrouver totalement. Là tu la sens ma grosse tension. Un briquet, une bouteille de gaz. Comment ça, j'ai pas le droit? Pff. No fun, les amis, no fun.
fuck off. J'arriverai jamais à terminer moi ma phrase. Ça me semble quand même mal barré quoi. Sur les contrôles, le jeu doit être utilisable souris clavier, pad et VR. Oui, parce que si vous êtes téméraire et que vous trouvez que ça fait pas assez flipper, soyez heureux. Enfin, je sais pas si c'est vraiment une bonne nouvelle. Il y a moyen d'avoir le jeu en... Il est bizarre ce miroir quand même, toujours. Il y a moyen d'avoir le jeu en VR. Alors j'ai des petites saccades, ça doit être mon enregistrement de stream et la partition qui arrive en limite de... je sais pas si je vais y aller. Elle était verrouillée cette porte aussi. Donc c'était bien la chambre de la gamine. Gamine! Et du coup, je continue de gérer mes deux conversations en même temps. Et quoi là-bas? Il y a d'autres choses. Phrase qu'il ne finit jamais. Alors là, il y a une histoire de petit oiseau qui s'est fait buter par le monstre. Je reprendrai sur les contrôles à la fin du stream, hein, je pense que c'est plus simple. C'est pas très bon quand ça autosave. Oula, des cages, en veux-tu, en veux-là. Eh, ça va être sympa, là. On y voit rien. Y'a rien, de rien. Si j'ai une clé, faudra pas s'étonner que je passe à côté, que je la vois pas. Oui, j'avance super doucement. Vous avez vu ce que j'ai comme éclairage? C'est pas top délire. Ouais, mais je me casse là. Je vais arriver sur quelque chose de tout noir. Quoi? Non, 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 non. 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 Non, pas maintenant. Pas comme ça. Pas dans la fleur de l'âge. Je vais me cacher là, je vais attendre que ça passe. Je vais peut-être pouvoir reprendre mon histoire de contrôle. Oh putain, j'ai plus de briquet. J'ai plus du tout de briquet, les gars. On va se faire tout au flash. Ça va être terrible. Ça va? Tenez-moi la main. Non mais c'est pour vous que je dis ça, pas pour moi, ça va, je suis tranquille. Je sais où je vais. Faut que je trouve un briquet, sérieux. Ça va être trop pénible sinon. Il y a quoi sur la table? J'ai pas le temps de voir. Putain, bordel de merde, pourquoi j'ai dit oui? Elle est là. Reste où t'es la grosse. Elle bouge ou pas? Putain, c'est tendu. Là? Des fois, ma caméra bouge un petit peu toute seule, je sais pas trop pourquoi. Là. On
Paris, je suis revenu par où je suis rentré. Non, je suis revenu à la porte qui est bloquée. Qui pourrait ne plus être bloquée, hein, c'est... On a le droit de rêver. Putain, 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 elle va me faire chier. Hein. Qu'est-ce qu'il y avait avec ce cage? Parce qu'à chaque fois, la caméra pivote sur cette cage, je ne sais pas pourquoi. Y a rien. On y va. Putain, elle bouge pas. Je fais quoi, moi? Bon, je vais dessus. Hein. On verra bien. Pépette, suffit. T'attends quelqu'un? Bref. C'était un coup de flip gratuit. Tu voudrais pas marcher la lampe des fois? Putain, yes. Oh que ça fait du bien. C'est moi qui ai un briquet là-dedans. Oh la conne, là elle est énervée. Je sens qu'elle est énervée. Je sens qu'elle est toute colère. Et qu'elle va vouloir faire bisou crack. Dis-moi que c'est ouvert. Oh putain. Ouh. J'ai pas de clé. Je suis fucked up. Mademoiselle. Faut pas rester là. Il y a des monstres qui tournent. Enfin pas moi hein. On va lui faire le coup de bénil encore. Ça marche super bien en général. Alors, il n'y a pas de clé. Comment je fais? J'ai pas de clé. J'ai pas de clé. C'est comme Eddie Murphy dans Golden Child. Quand il fait, il n'y a pas de sol. Eh, papy. J'ai pas de clé. J'ai pas de briquet. Manquerait plus que mon appareil photo marche plus. Et j'ai une milliseconde pour voir la scène. Et anticiper tous les malheurs du monde. Si ça se trouve, ce n'est qu'un simple labyrinthe. Ou Samy, quoi, Tom? Loupiote. C'est marrant comme ça fait du bien la lumière un petit peu de temps en temps. Hein. Alors. Oh là là. Faut que j'aille jusqu'à cette loupiote et que je l'allume. C'est impératif. Je ne peux pas échouer. Yes. Il y a une autre loupiote là-bas. En fait, je vais aller partout où il y a des loupiotes. En ayant mon fameux air détendu, hein, qui est devenu légendaire d'ailleurs depuis. Alors maintenant, je vais peut-être mieux comprendre comment je tourne en rond, ou en carré, ou en ce que vous voulez. Je suis arrivé à me planter dans un cul-de-sac. Alors, je crois que toutes les lumières que j'ai allumées ont été rééteintes par derrière moi, je crois. Non, parce que là, je viens de faire un tour en rond, si on est logique. Enfin, la logique dans ce jeu est toute relative. Pépette. Oh, putain. Casse-toi. Stand in the light.
Ou quelle est la mémère? Et qu'est-ce qu'il faut que je déclenche? Surtout. Oh, c'est une soirée techno au ralenti en fait, le stroboscope. Donc vous comprenez mieux pourquoi il y avait un avertissement au début du jeu qui disait « Hey les gars, si vous êtes sensible, ça peut être rigolo. » Putain, je tourne super en rond là. Et puis moi aussi, ça commence à me prendre la tête ces flashs. Loupiote. Vite. Porte. Porte ouvrir. Porte verrouillée. Porte verrouillée. Fuck off. J'ai cru voir quelque chose. Non, c'était juste une commode. Faudrait que je tourne à gauche à un moment pour changer de ma rotation maudite. Il y a une lampe là-bas? Ouais. Où qu'elle est la grosse? Où qu'elle est la mémère? Casse-toi, 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 pauvre conne de mime! Oh putain, j'allais dire, c'est pas passé loin, mais c'est pas fini. Vous croyez quoi, les gars? Elle a éteint toutes les loupiottes, cette conne! Oh la tension! On y retourne. Je sais plus dans quel sens je tourne, du coup. Une clé-clé? Pour papa? Non? Il a pas peu peur. Mais c'est pas loin. Tu me fuck off. Oui, je vais me permettre quelques... d'illustrer de quelques... adjectifs superflus. On n'y voit que dalle, bordel de schnitzel. Alors, j'ai... You need the cage room keys. Et the cage room keys, where are they? Alors, voilà la semantique, c'est parti. Non, mademoiselle, je n'ai pas de ventoline. Je ne peux rien pour vous. Quoi? Qui ça? Moi? Non, je suis pas perdu, je sais très bien où je vais regarder. Ah, il y a une lampe. Ah, ça, c'est pas une lampe. Comment je vais me prendre la quiche pour passer dans ce truc? S'il faut trouver la clé à l'intérieur de cette piole, c'est... C'est... Alors... J'espère que l'autosave m'a mis dans cette salle, parce que ça va être compliqué. Je fais une petite coupure, le temps d'un café, puis je reviens. Hein? Bah, oui, je vais avancer très lentement maintenant. Oui, fais-moi un café, s'il te plaît. Un seul sucre, ça ira. Oui, bah, un grand. Je vais pas boire des petits cafés, t'as vu le temps qu'on passe sur ton jeu? Allez, gagne. Il m'a refoutu dans la pièce. Ok. Bon, bah, je vais faire ma pause là, je vais aller faire mon café. Parce que, oui, non, je n'ai pas d'esclave fantôme qui fait des cafés, je suis désolé. Vous y avez cru? Vous êtes naïf quand même. Hop.